Nous avons rencontré d'anciens sécheurs et producteurs de chicorée qui nous ont raconté le temps de la sécherie traditionnelle. Le semis, c'était au mois de mai. Souvent, on arrivait fin mai. On ne commençait pas, enfin, c'était en principe avant le 24 avril. Et pourquoi ? On va te dire. On a évolué beaucoup avec les variétés. Hein. Ah oui, oui. Celui qui a fabriqué les machines à les moires de chicorée, c'est Couture. Couture. Félix Couture à Audouin. Alors, ça avait des routes vélo. C'était très léger. Hein. Des fines routes vélo. Et puis. Alors, il disait toujours Félix, mais je suis un génie. Alors, les soirs aussi, c'était comment des jaquets roubillards, quand même. Oui, peut-être, oui, il y avait les soirs à 4 ans, mais je ne sais pas, il doit encore en exister. Ah oui, mais il fallait des choses sur le côté. Oui, pas trembler hein, pour aller bien. Puis il fallait voir un bon cheval, et puis il y en avait beaucoup qui avaient acheté des mulets, parce que le mulet, il travaillait plus régulièrement. Moi, j'en avais un mulet. C'est mieux? Ah oui. Il marchait. Et puis tout le monde il n'avait pas la racine quand on rasait ou autre chose. Et comment c'est pourquoi ça? Il a des petits pieds et il suit droit. Il n'y a pas d'histoire, tu peux le laisser le corps. Le cheval, il va toujours un peu à droite. Ouais. Ouais.